Voilà. Et allez. On est reparti sur Tomb Raider. Alors la dernière fois, je me rappelais plus ce qu'on devait faire. Ah, c'était pas essayer de trouver le second pilote. Attends. Ouais, rejoindre la balise fumigène, ouais, ça doit être ça. Enfin, si je descends là, je vais me viander là. Ah, mais attends, non, je suis bête. On a le. C'est vrai qu'on a débloqué là. Je sais même pas comment ça s'appelle. Alors faisons l'inventaire des munitions. Bon, pour l'instant, j'en vois 3. Bon, ça c'est fait. Y a quelqu'un? Ross? Je suis là, Reyes. Quelle est la situation? On a suivi un groupe d'hommes jusqu'à une espèce de ville, cet endroit. C'est de la folie, Ross. Qu'est-ce qu'ils font là-bas? Je ne suis pas sûr d'avoir envie de savoir. Des nouvelles de Sam ou de Whitman? Rien pour le moment. Tu es avec Lara? Oui. On ne va pas tarder à venir vous rejoindre. D'accord. On va essayer de s'approcher un peu. Reste sur ce canal. Est-ce qu'il y a autre chose à faire ici? Je vais pas trop chasser parce que bon, honnêtement, je pense pas que ce soit vraiment nécessaire. C'est vrai que ça rapporte de l'XP, des matériaux, mais... Ouh, 2 sur 2. Ok, on va avoir un nouvel arc. C'est bon ça. Une sorte de mortier sans pilon. Probablement utilisé pour préparer des potions à base de plantes. Alors là, il y a quelque chose à trouver. Il y a aussi des petits fragments d'os. J'espère que ce sont des os d'animaux. Attends, une seconde là. Ah, j'ai pas dû le trouver celui-là. Non, je croyais que j'avais récupéré une relique et qu'en fait je l'avais pas examinée. Mais en fait non non, c'est que je l'ai pas trouvé encore. Faut que je la trouve. Je vais d'abord voir ce qu'il y a sur le toit. Y a rien. Ok. On dirait qu'il va falloir redescendre. Statue. Il y avait une statue là où il faut allumer avec la torche. Hop, on va l'allumer. Hop là. Bon là je vois pas l'intérêt de l'allumer. Ça n'a aucun intérêt. Ça, on va le relier. Ah, mais sinon, on pouvait le relier là-bas. Ouais. Ah. Si je tire, non, ça ira pas. Il faut que je puisse enflammer ce bras zéro.
Je vais essayer de là-bas. Je sais pas si ça va marcher. Hein? Tout. Ah mais attends, on peut faire comme ça sinon non? Non, ça ne marche pas. On verra plus tard sinon. On va peut-être voir plus tard. On va essayer de pas perdre trop de temps. De toute façon, je réexplorerai. Voilà le signal. Ah oui, le fumigène bleu là-bas. Et le parachute. Ok. On s'occupera du reste plus tard, hein, de toute façon. C'est prévu que j'explore tout plus tard. J'attends vraiment d'avoir tout l'équipement du jeu avant de commencer vraiment à fouiller parce que sinon j'ai pas fini. Ouais, j'ai fait le con là. J'ai fait le con. Je peux descendre? Ouais. Mais non, lâche! Voilà. Où c'est qui? Non, ça marche pas. Ça marche que dans l'autre sens. J'aurais foncé plutôt sur l'ennemi, il m'aurait pas repéré, j'aurais pu les prendre discrètement. Mais bon. C'est ça, trop traîner. Ça ramène à un lieu qu'on a déjà exploré. Donc, on s'en occupe pas. Il y a un défi à faire ici, à part braconnage d'œuf, illumination. Oh, oui, je suis bête. Le truc des torches, de toute façon. Un peu plus, c'est le corbeau qui prenait. Hein. J'avais même pas vu. Oh, un tombeau là. Mais la question c'est, est-ce que j'ai ce qu'il faut pour le compléter ou pas? Je sais qu'il y a le tout premier tombeau qu'on n'a pas ce qu'il faut. Parce qu'il y a une paroi en métal ou je sais plus si c'était des barbelés avec des poutres qui gênaient un passage et du coup ben ce qui fait qu'il faudra revenir plus tard. Non mais je crois que c'était des panneaux en tôle ou un truc comme ça qui gênait. Donc ouais. Pour l'instant on peut pas s'en occuper. On a clairement pas ce qu'il faut. Va falloir jouer avec le vent. C'est un casse-tête sur le vent. On a un petit feu de camp. On va en profiter pour débloquer l'arc. Voilà. Arc recourbé. Les améliorations sont toujours présentes, de toute façon. Mais par contre, ça en a débloqué de nouvelles. Mais bon, on n'a pas ce qu'il faut. On n'a pas assez de matériaux. De toute façon, je pense que on a pas assez de matériaux pour quoi que ce soit. Donc, c'est pas la peine. Tellement fort, on sait même pas ce qu'il dit. Je sens que ça va être un truc basé sur le
sur le timing. Ça va être une question de timing. Il sert à quoi ce cheval là? Ah, rien, c'est la déco. Ça, ça sert à quoi? Ok, ça. D'accord. Ouais. C'est genre même pas 30 secondes, soit genre 20 secondes. Le monde charge qui monte. Ok. Donc il faudra sûrement se mettre là. Pour monter sur le monde charge. Et le problème c'est que le monde charge, quand on lève, il est automatiquement propulsé. Donc il y a sûrement un truc pour fermer là, voilà. Les espèces de volets là. Hop, du coup. On ferme les volets. On fait monter le monde charge. On traîne pas. Et j'imagine que les volets vont s'ouvrir, ça va nous propulser. J'ai été trop rapide. Donc on va attendre un peu. Voilà. Là, ça devrait être bon. Idiot quand même de faire des grandes salles et au final il n'y a rien dedans. C'est dommage. C'est juste pour l'aspect décoratif. Ah, une pièce de pistolet. Ça, on s'en occupera plus tard. Attention, je pense pas qu'il y avait un trésor annexe. Je pense pas, ça m'étonnerait. Non. Ah, remarque, je peux débloquer une compétence. Vu que j'ai gagné un point. Mais sinon, ah, vraiment, j'ai assez de matériaux aussi. Eh oui. J'avais pas vu. Alors soit j'améliore la mitraillette, enfin le fusil d'assaut pour améliorer la cadence de tir, soit la même chose pour l'arc. Et pour le pistolet c'est quoi? Voilà, ça servira à rien, j'ai pas assez. Soit augmenter les dégâts encore. Ou la cadence de tir, pareil. Peut-être la cadence de tir pour l'arc. Parce que c'est vrai que l'arc il est quand même lent à utiliser. Alors, point de compétence, qu'est-ce qu'on débloque? Ça c'est. Oh, ça c'est pour récupérer les flèches sur les cadavres ennemis, ça m'intéresse pas. Être plus rapide en escaladant et réduire les dégâts de chute, c'est intéressant ça. Trouver les récompenses cachées dans l'environnement. Ouais, pour l'instant, vu que je compte pas trop faire de l'exploration, à la rigueur, ça je peux pas le prendre. Ça c'est quoi? Ah, on gagne plus d'XP si on neutralise discrètement.
Ouais, mais comment je me fais repérer comme un faisant? C'est pas la peine. Aveugler les ennemis. Ouais, ça pourrait être intéressant, mais... Pff, ouais, non. Ah, ça, ça pourrait... Ça, c'est intéressant. L'esquive contre-attaque. Ça, c'est intéressant. On appuie sur rond pour esquiver, et quand tu esquives bien, paf, t'appuies sur triangle. Ça, ça pourrait être intéressant. Le coup de récupérer les flèches sur les cadavres, non, ça c'est pourri ça. Déjà que des flèches on en trouve à la volée. Il y en a partout des flèches, je vois pas pourquoi il faudrait en plus en ramasser sur les cadavres. Voyons ça. Il faut que j'arrive là-bas. Là, il y a une géocache, on dirait. Donc, on va commencer par... Ah, je suis trop loin. Ah, je suis trop loin. C'est pas grave, on va commencer par là. Quoique, je pouvais commencer par là aussi. Et en plus, il y a une statue à allumer. Il faut allumer le bras zéro. Qu'est-ce que c'était ce défi là, braconnage d'œuf? Je me rappelle plus ce que c'est. Ça fait longtemps que je l'ai pas fait ce jeu, alors je me souviens pas de tout. Ouh, je sais pas si je vais arriver à. Ouais, non, je peux pas. Je ne peux pas. Oh, remarque, c'est jouable avec un saut là, c'est jouable. Un peu viandé, mais c'était jouable. Ah bah tiens, encore une statue. Ah mais moi je voulais monter. J'ai pas vu de paroi pour escalader. C'est vrai ça, y a pas de paroi. Bon, il faudra sûrement y accéder par autre part alors. En bas là, je sais plus. On a dû explorer en bas, mais je me souviens plus. Ok, ça mène. Il est temps pour moi de quitter cette île maudite. J'en ai assez vu du Yamatai. Je ne peux pas expliquer le pouvoir de la reine, mais je sais qu'il n'est pas de ce monde. Comme je le pensais, elle a compris mes intentions dès l'instant où j'ai posé le pied sur cette île. Elle m'a manipulé afin de savoir quelles informations je cherchais à obtenir. Elle a toujours su. Si je parviens à quitter cette île en vie, je préviendrai mon maître. Je lui dirai de se tenir à l'écart du Yamatai à tout prix. Si nous voulons naviguer sur ces mers, nous paierons le tribut exigé par la Reine Solaire. Mais nous ne devrons jamais tenter de la duper. Concernant les autres choses que j'ai vues, toutes ces horreurs, je me tairai à ce sujet. Il y avait quoi en bas du coup là? Oh, Annie. Ah, d'accord. Il va falloir ouais, piller les nids des oiseaux pour... ok. D'accord, d'accord. C'est ça le défi, braconnage d'œufs. Ok. Faut que je trouve 5 nids avec des œufs.
Je vois pas pourquoi c'est important pour moi. C'est pas grave. Il faut que j'arrive à l'atteindre. Déjà, il y a une paroi pour planter le piolet, déjà. On sait ce qui va se passer. Tellement prévisible. C'est ça le problème de Tomb Raider, c'est toujours trop prévisible. Capitaine Jessop! Où est-il passé? Mais alors les Uncharted, n'en parlons pas. Alors là, eux, niveau surprise, oh là là, eux c'est les pires. C'est tellement trop et tellement trop prévisible. Ils en font des tonnes en plus, mais c'est, ça en devient ridicule. C'est pour ça que j'aime pas Uncharted. Parce que. Il y arrive tellement de pépins à Nathan que. Enfin, ça en devient ridicule quoi. Parce que c'est juste pas possible. Même le mec qui a la plus grosse poisse du monde n'a pas autant de problèmes. C'est pas possible. Salut Lara, Ross nous a parlé de l'avion. T'en fais pas, il y a forcément un autre moyen de quitter ce rocher. J'espère. Des nouvelles de Sam? On a suivi sa trace jusqu'à un vieux palais japonais. Ça ne me dit rien qu'il vaille. Tu sais, elle a peut-être voulu, je sais pas moi, visiter un peu. T'es vraiment nul comme monteur, Alex. Tâchez d'être prudent, d'accord? Bonne chance. Elle parle pas? Ah, oh, mais je croyais qu'elle voulait. Je sais pas, que ça aurait débloqué un dialogue. Non, pas du tout. Bon, si elle a pas envie de parler, on va pas la forcer. Hein. Qu'il n'y a rien. Oh, j'ai même pas vu. J'avais pas vu la petite le cajot. Pas de défi toujours? Non, pas de défi. On n'est pas dans une nouvelle région encore. Ces ruines sont antérieures à la période Kofun. Je dirais du précolombien. Ouais, c'est peut-être possible de modifier les armes, mais je le ferai pas. Un pèlerinage. Une reine. Himiko. Himiko Hime. Incroyable. Capitaine Jessop? Capitaine Jessop? Causé beaucoup de problèmes.
Mais tu es aussi naïve que prévisible. Tu es là! Ils sont là! Tu vas te l'ignorer, Piero. Sympa la déco. J'aime beaucoup. Bien réveillé là maintenant. Qu'est-ce qui se passe ici? Bon, sa radio est foutue. Je pense pas qu'il y ait quelque chose à récupérer ici. Ça m'étonnerait. Ouh, il a pas l'air gentil lui. Si elle a roulé jusque là la tête. Bon, pour rien. Elle a peut-être pas roulé jusque là. C'est quoi ça, on dirait des chevrotines. Ouh, est-ce qu'on va avoir une belle arme? On a trois armes, il y a quatre flèches donc il en manque une. Je crois qu'il y avait quelque chose. Je sais que j'ai déjà fait, mais je m'en rappelle plus. Ah ouais, fusil à pompe. J'espère que ce machin marche encore. Fusil de tranchée. Y'a rien en bas. Putain, est-ce que ça rame sur le stream? Oh là là. Je déteste les tombes. Une reine solaire et les gardes tempêtes. C'est ça ce que je viens de voir. Emiko, la première reine solaire, c'est bien le Yamatai. Garde tempête, ceux qui puent qui pètent. Et tu es vraiment là. Et tu es vraiment morte. C'est quand même dangereux d'ouvrir les sarcophages comme ça. C'est une sorte de rituel du feu. Un rituel de sacrifice. C'est horrible. Mais pourquoi brûlait-il des femmes comme ça? Un voyage. Un pèlerinage vers... Est-ce que c'est bien ce monastère? De l'eau qui coule.
quoi? Et te voilà, Reine. Mais non. Ce n'est pas de l'eau qui coule, c'est un transfert de pouvoir. C'est un rituel de l'ascension. Pour désigner la prochaine reine. La voilà! Oh non! Attrapez-la! Ah merde, je me suis raté. Cadavres là, on les fouille bien. Ils vont donner plein de matériaux et c'est très bien. Vive les matériaux, moi je dis. Les munitions, on s'en fout, mais les matériaux, c'est bien. Je regarde s'il n'y a pas autre chose à fouiller. Non, il va falloir défoncer le portail avec ça. Ah, ça se trouve peut-être qu'on pouvait l'affronter. Ah, je voulais l'affronter, moi. Ou peut-être pas. Bah, j'espère que j'ai pas loupé un combat. Hein. Ça serait dommage. Je continue d'améliorer le fusil d'assaut ou je commence peut-être à améliorer le fusil à pompe. Les dégâts, ouais. Peut-être le recul. Ouais, je pense que ce serait pas mal le recul. Voilà. Oh, c'est quand même pour le plaisir d'utiliser les balles, quand même. Ah, et bien avec d'autres mecs à fouiller, quand même. J'ai pas rêvé. Quoi, ils sont déjà tous morts? Non. Quand même pas. Bah, il en restait bien, il est passé où?
détruit là. Et il s'est suicidé ou quoi? Oh. Oh le coup. Limite je le cloue au mur. Hein. Je regarde s'il n'y a pas d'autres ennemis quand même parce qu'on sait jamais. Ça serait quand même dommage d'être embêté pendant qu'on essaie de résoudre ce casse-tête. Bon là il y a des volets à contrôler, ok. Ça, ça sert à quoi? Ah oui d'accord. Ok. Faut péter les piliers en bois. Ils sont déjà bien bouffés là. Ouvert. Là j'ouvre le deuxième truc de le deuxième volet, ce qui fait que là les courants vont être équilibrés, du coup ça va partir au milieu et c'est pas ce que je veux que ça passe sur le côté. T'as esquivé même ton copain derrière, bon. C'est con hein. Non non non, ne touche pas ça. Laisse ça. Je comprends pas ce qu'elle dit, le vent il souffle tellement fort. En même temps peut-être qu'il faut taper espèce de grosse cloche avec ce carillon. On va bien voir. De toute façon je vois pas ce qu'il reste, ce qu'il resterait à faire sinon. Ouais, il était un peu temps de se barrer là parce que c'est un peu fort là. J'ai pas trop compris pourquoi, mais bon, c'était un peu trop fort. Sam, est-ce que les autres sont avec toi? Non, j'ai juste réussi à voler une radio à un garde. Un garde? J'ai été enlevée. Quoi? Où es-tu? Je sais pas, un vieux palais japonais. Ils n'arrêtent pas de parler d'un rituel de feu.
Lara, j'ai vraiment peur. Merde, j'entends quelqu'un. Je vais devoir cacher ce truc. Sam ? Sam ? Un rituel du feu. Comme sur la fresque dans le tombeau. Ross, tu es là ? Je me dirige vers le palais. Les autres y sont enfermés aussi. Ok, je te rejoins et on y va ensemble. Bon, est-ce qu'il y a quelque chose à récupérer là ? Dans le monastère. Ils étaient vêtus comme les gardes tempêtes. Leur cri était presque inhumain. Merde, arrête, Lara. Écoute-toi un peu. On croirait entendre papa. On dirait les vestiges d'une civilisation perdue. Non. Là, je parle vraiment comme papa. Tout ce que je sais, c'est qu'ils ont tué ces hommes et qu'ils n'auraient pas hésité à me tuer moi aussi. Mais je ne dois pas penser à ça pour l'instant. Sam est en danger, et je dois la ramener. Elle compte sur moi. C'est bon ? Allez. Voyons un peu les compétences. Ouais. Non, ça m'intéresse pas du tout. Peut-être l'escalade plus rapide, pourquoi pas, mais... Ouais. Ça peut être intéressant. Alors, voyons les munitions. On est rechargé à bloc, ok. Tiens, un bras zéro. Hop là. Ah, il n'y a plus que deux. Oh, regarde, s'il n'y a pas une petite cachette là, dans la rivière. J'ai pas une cascade ou autre. On sait jamais. D'un fusil. Un fusil à pompe ou fusil d'assaut? Ouais, ça répond pas à ma question. Hop. On va les relier entre eux, les bras zéro. Comme ça prendra feu. Et il n'y aura plus qu'à mettre le feu au filet, suspendu. Hop là. Ah, ça n'a pas marché. Oh, mais c'est bien curieux ça. Mais non, ça marche pas. C'est bizarre. Ça aurait dû pourtant. Bah non, ça ne marche pas. À moins qu'il faut le faire de l'autre côté. De ce côté-là, peut-être. Peut-être parce que ça tirait trop d'un coup de ce côté-là. Voilà, et là, peut-être du coup, rien du tout. C'est n'importe quoi ce que je fais. Pourquoi ça ne marche pas ? Ça a pas l'air de marcher, je sais pas pourquoi. Putain, je vais pas y passer la nuit là-dessus non plus. Hein. Ah, quand même. J'ai pas compris pourquoi ça n'a pas marché. Enfin bon, ah, y a un truc là.
geocache. Bon, je pense pas qu'il y ait quoi que ce soit à récupérer. Puis de toute façon, on explorera plus tard. Si tu dois courir à la cérémonie, le permaculture ne suscitera pas. Hé, je tiens l'alcool, moi. Et toi, tu sais bien ta langue. Il paraît qu'il y avait des femmes parmi les naufragés. Ouais, Mathias en a choisi une pour le rituel. Et si c'était l'élu, tu pourras peut-être enfin quitter ce rocher. N'emballe pas, tu sais très bien que c'est toujours la même chose. Une pauvre fille finit carbonisée et rien ne change. Juste me barrer. T'inquiète, mon frère, t'es pas le seul. Mais ça risque pas d'arriver. Les tempêtes ne nous laisseront jamais partir. Oui, mais si. Mais si rien du tout, tu veux te barrer, et ben v'là une falaise. Alors vas-y, saute. Maintenant, laisse-moi finir cette bouteille en paix. Alors. De toute façon, quoi qu'il arrive, ils me repéreront. Oh, juste à côté. Fais pas le con. D'accord. Bah, j'ai fait le con. Ok. Ok, voilà, ça va direct le fusil d'assaut. Cadence de tir, hop, allez. Est-ce qu'il va falloir que je refasse ce que j'ai fait ou pas? Oh, j'espère pas, hein. Non, ça va. J'ai pas regardé par ici s'il y avait quelque chose à faire. Là je tire dans le tas et on va pas se prendre la tête. D'accord, ils ont pas remarqué que leur copain était mort. Il est tombé, donc là je peux rien faire. Là il y a rien à récupérer du coup. Ah mais il n'y a pas de galerie, il n'y a rien du tout en fait. Ouais, il se planque tout simplement derrière cette palissade en fait, tout simplement. Faire chier. Oh mon dieu, c'est bon maintenant. Lara, t'es là? Je suis là, Sam. Est-ce que ça va? Qu'est-ce qu'ils me veulent, Lara? Un rituel de feu? C'est du délire. Écoute, je viens te chercher. Ne t'en fais pas. Je vais te sortir de là. Je t'en prie, sors-moi d'ici, Lara. C'est promis. C'est promis, Sam. Hé hey, à la fin, oh non radio. Sam, allez, lâchez-la, bande de salauds. La touchez pas. Ok. Ok.
plein. Où est-ce que ça amène ça? Ça amène à une épave d'avion. Qui apparemment on y serait déjà passé. Ah oui. C'est là où on a trouvé Attends, ça se trouve c'est peut-être pas ça mais. Ça c'est l'avion qui s'est crashé donc il était pas là avant. Ah oui, je m'en rappelle de là. Eh ben oui, c'est là où il y a le défi avec les bras zéro. Et du coup, maintenant il y a l'avion qui s'est crashé. Ça y était pas avant, c'est pour ça que ça ne disait rien. Bon, on va fouiller l'avion, hein, tant qu'on est là. C'est quoi ça? Des balles de fusil. Non, c'est pistolet. Est-ce qu'il y a quelque chose à fouiller ou pas? Voilà. Il y a à mettre le feu au bras zéro et à faire balancer le bras zéro sur le filet. Suspendu. Voilà. Avion qu'on entend là. Ah non. Bon, si on dirait un avion. Chelou. À moins qu'il y ait des turbines qui tournent encore. Bon, comme j'ai dit, je voulais pas fouiller. Pas envie de fouiller donc je regarde juste ce qu'il y a là. Juste voir ce qu'il y a là aussi. Autant les lapins, je me méfie pas parce que bon, c'est des lapins, ils cherchent à fuir. Autant le sanglier, lui c'est autre chose. Lui en général il fuit pas. Bon, on dirait que celui-là c'est pas un combatif donc on va pas trop lui chercher des poux. Ou c'est quoi ce piège? J'aurais cru que c'était un piège. Ça devait appartenir à un marine américain. Est-ce que cette île a été occupée ou était-ce des éclaireurs? Ah là, il y a un truc à découvrir. Est-ce que ces marques représentaient des amis perdus ou des ennemis tués? Dans les deux cas, c'est trop pour un seul homme. S'il y a autre chose à regarder là. Ça va. Il n'y a pas une géocache là? Hein, j'aurais cru.
Alors, les lanternes, enfin les bras zéro. Ouais, c'est là. C'est là que ça se passe. Il y a une statue là. Ah, plus qu'une. Hop. Là, ce que je peux essayer, c'est faire comme ça. Ah, ça aurait dû l'allumer là. Hein. À moins qu'il fallait tout simplement que je tire avec ma flèche sur le bras zéro, tout simplement. Non, c'est pas possible. Donc je le tire depuis là. Ah là, s'il est pas allumé. Ah, ça a pas marché encore. Là. Ah, toujours trop pressé là, mais. D'accord. Bon. Oh, ça va encore taper sur le truc en bois. Bon, au moins ça l'a brûlé. C'est déjà ça. Alors celui-là, il est là. Ça l'a touché là. Non mais ils sont sérieux là. Putain, c'est dingue ça. On tombe plein dans la tronche. De toute façon, j'ai une carte. Au besoin, je la consulte. Et ça me dit ce qu'il reste à chercher. Voilà, c'est tout en bas, donc là. Va falloir que je surveille pour les nids d'oiseaux là, parce que. Ah, voilà. Voilà pourquoi. Ça risque de faire un peu haut là. On va pas trop être pressé. Hop là. Je pense qu'ici je dois pouvoir tout explorer. Ah ben non. Parce que ça, à mon avis. J'aurais peut-être pas ce qu'il faut pour l'ouvrir. Ah si. J'ai rien dit. Très courant dans la médecine japonaise par les plantes, appelées kampo. Cette fiole a l'air très ancienne. Alors, il y a quelque chose à découvrir là aussi. Ce sont probablement des champignons maïtake, des champignons des fous dansants. Ils sont utilisés pour renforcer le système immunitaire. Ouais, je vais peut-être pas m'occuper de... d'explorer ça pour l'instant. On va peut-être attendre d'avoir vraiment tout ce qui... Remarque, je pense qu'on a tout ce qu'il faut, là. Bon, allez, on va l'explorer un peu.
Parce qu'au Tomb Raider, t'enlèves l'exploration, il reste pas grand chose en fait. Je vais monter par là, mais. Ça, je peux le péter. Voilà. Ça devait être en haut. Hop, on allume les bras zéro. Ah mais celui-là on peut... Ah mais il y en avait qu'un. Ah, je crois qu'il y en avait deux. Je vais pouvoir surveiller d'en haut là s'il n'y a pas des nids. Non. Peut-être sous cette toiture là, peut-être. Tiens. Hop, allez, plus que deux. Il y a quelque chose là. Je vais retourner dans le bâtiment pour voir si j'ai rien manqué. Voilà, ça c'était pas une bonne idée ça. Si c'était là. Après deux semaines d'attente, j'ai enfin obtenu audience auprès de Sa Majesté Himiko, reine du Yamatai. Je n'avais jamais rencontré une telle femme. Belle, énigmatique, calculatrice. Elle vit parmi les prêtresses du soleil. Aucun homme ne l'accompagne, à l'exception du général de son armée. Quand je l'ai rencontrée en tête à tête, j'ai réalisé à quel point elle était différente de ce que j'imaginais. Mon maître m'a chargé de l'espionner, d'évaluer la puissance de son armée. Mais je sens que c'est elle qui me jauge. Mon maître a peut-être sous-estimé la menace du Yamatai. Il est difficile d'évaluer la véritable puissance des gardes-tempêtes. Mais j'ai le sentiment que la reine solaire ne doit pas être prise à la légère. Ça, je peux pas le prendre. Je suis déjà à fond. Est-ce qu'il y a autre chose? Il y a une relique. Ah, elle est dessous. Bizarre, j'ai rien vu dessous. Ah, en plus, ça se voit en plus. On a beaucoup regardé cette photo. Elle a été pliée et dépliée de nombreuses fois.
Il n'est jamais rentré chez lui. Cette île a pris tant de vie. Bon, il nous reste encore deux nids à trouver, d'œufs. Et une statue à allumer. C'était bien la peine de mettre un marqueur juste pour ça. Oh là là. C'est où ça? Oh, même ça c'est tout en haut. On peut pas y accéder, non mais... dans sa direction. Ouais, il y a quand même encore des choses. Ouais, ça va un peu loin. Je crois que ça sert à rien d'allumer les lanternes, hein, ça sert à rien. Donc on les laisse telles qu'elles sont. Pareil, ça, c'est en haut aussi. C'est pas spécialement plus rapide de faire comme ça. Eh mais je l'avais pas vu ça. D'accord. C'est de la bardane, une racine traditionnellement utilisée dans le campo pour soigner les inflammations. Ça m'étonne de pas l'avoir vu ça. Ouais non, je peux pas monter là d'ici. Peut-être là. Hop, encore un nid. Plus qu'un. Alors, où est ce nid? Telle est la question. Et où est cette dernière statue aussi? Ouais. Telle est la question. C'est en bas là. Faut que je redescende du coup. Ah, elle était à l'intérieur. Ah non, je veux pas passer là, je passe plus là. Ça m'arrange pas. Non, c'est pas ce que je voulais faire, moi je voulais sauter. Enfin, me laisser tomber. Hop. Ah mais du coup, je passe par là du coup. Par là. Et déjà il y a une relique là.
Est-ce que je pourrais remonter après? C'est ça aussi. Après, il y a les feux de camp, on fait un voyage rapide et terminé. Mais... je vois pas s'il y a autre chose à ramasser à part les munitions. Et s'il n'y a pas un nid d'oiseau aussi. Mais je vois rien. Ah mais oui, je pouvais remonter. Ok. Ça c'était le tombeau. Ça risque de faire un peu haut là. Je sais pas comment j'ai fait pour survivre, mais... c'était juste. Hein. Non, celui-là, je l'ai ramassé. Ouais, elle était là, la relique? J'ai rien vu. Ah oui, effectivement. Les soldats américains n'auraient jamais laissé ça derrière eux. J'ai bien peur qu'aucun d'eux ne soit reparti d'ici. Ok. Je vais juste vérifier s'il n'y a pas un passage là. Non, il n'y a rien. Remarque par là. Non, mais là, de toute façon, on peut pas passer, là. Alors, voyons un peu ce qui reste. Ça, ça sera plus bas. De toute façon, on va redescendre. C'est pas ce que je voulais faire, mais bon. Hop, on va pouvoir allumer le brasero suspendu. À regarder là. Ah ben le truc est juste dessous. Ok. Plus que 3. Putain, si je savais où était la statue. Si encore c'était marqué sur la map, et pareil pour le nid d'oiseau, ça m'arrangerait bien. Ah, c'est plus bas. Ok, ça c'est plus bas. Oh, il y a une caisse là que j'ai pas. J'ai peur que ça fasse un peu haut, mais bon, on verra bien. Ouh. C'était juste, hein. Elle doit être cachée, la statue. Je pense qu'elle doit être cachée. Un petit passage derrière la cascade, non? Rien du tout. Oh. Dommage.
qu'est-ce qu'il nous restait à fouiller? Voilà, bon, c'est là où je dois aller de toute façon, donc le document je peux le récupérer après. Ah, il n'y a pas. Ouais, d'accord. Soit c'est on dézoome complètement, soit c'est ultra zoomé là. Il n'y a pas entre deux, non. C'est. Soit tu zoomes pas, soit tu zoomes à fond. Ah oui, c'est en haut là. Ah ouais, là faut tout remonter limite. Ah ouais, là. D'accord. Je vais voir s'il n'y a pas moyen de se téléporter plus près là, parce que j'ai pas envie de me retaper toute l'escalade. Ross, je ne sais pas par où commencer, alors je ne vais pas tourner autour du pot. Alisha est ta fille. Tu l'as peut-être toujours su, mais depuis que j'ai embarqué sur l'Endurance, je me dis que tu as le droit de savoir. Tu dois comprendre que je n'ai jamais cherché à t'évincer. Mais je te connais, Ross. Je sais comment tu vis et ce à quoi tu aspires. T'installer quelque part pour élever un enfant ne fait pas partie de tes projets. Je ne sais pas si j'ai bien fait. J'aurais peut-être dû te laisser le choix. Mais je l'ai fait pour toi. J'ai pensé que c'était mieux comme ça. Après l'expédition, j'aimerais que nous parlions de l'avenir. Prends le temps d'y réfléchir, d'accord ? Alors, donc on va l'investir, ce point de compétence. Ça c'est quoi ça? Esquive élimination. Ouais, non, peut-être pas le débloquer tout de suite, après ça va être trop facile sinon. Peut-être le truc pour les objets à chercher. Ils sont déjà récoltés. Oh, mais il en reste encore. Hein. Ça me manque. Dès que je vais mieux, je vais refaire tout ça. Je vais peut-être me téléporter là. Non. C'est des surcarrés qu'il faut appuyer. Putain, ça c'est pénible ça. Toujours, suivant les jeux que tu fais, la touche interaction c'est soit carré, soit croix. Ah ouais, d'accord, c'est pas... D'accord. Ouh, je sais pas si ce sera bon, là. Attends, je vais regarder mieux, là, parce que... Non, ça marchera pas. Ça se rejoint pas. Ah merde, où c'est que je pourrais me téléporter? Eh, mais on dirait qu'il n'y a pas de point de téléportation tout près, en fait. À moins que si. On va essayer quand même. On va essayer. Bon, parce que sinon, là, je vois pas par où je pourrais passer. Hein. Puisque la vieille épave d'avion qui faisait office de pont, en fait, ça a lâché, on dirait. Et bah, du coup, on peut plus passer par-dessus, en fait. Ouais, non, mais ça doit être par là. Hein. Mais je crois que oui, en plus. Ça mène où, ça? Je sais même plus où ça menait. Ça m'étonne déjà que je sois passé à côté. Hein. J'avais pas dû le voir sur la carte. Remarque la carte, je sais même pas si je regardais déjà là-dessus. Ah non, c'est parce que voilà, il y avait ça. Et oui, j'avais pas le fusil à pompe à ce moment-là. C'est pour ça. Arène, je me tiens dans ta lumière.
et je fais serment d'allégeance. En tant que premier garde-tempête et général de tes armées, je jure de te servir loyalement et de protéger le royaume du Yamatai et son peuple. Je resterai à tes côtés jusqu'à la fin de mes jours. Je ne quitterai mon poste que sur ton ordre. Si je devais te décevoir, ma vie n'aurait plus de sens. Mon cœur ne bat que sur ton ordre. Je ne vis que pour te servir. À partir de cet instant, ma vie t'appartient. Putain, c'est... Désolé par avance, parce que pour la qualité, parce que là, waouh, c'est moche, mais c'est moche. Oh là 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 là. Ah, du coup, vous profitez même pas du jeu, quoi. Là, vous profitez des pixels. Hein. Ah, c'est énervant, ça. Juste parce que la console est bridée, quoi. Eh mais attends, elle serait pas là la statue là, parce que attends, c'est un endroit isolé, donc je me dis peut-être qu'il peut mettre une statue. Ah, mais je suis bête, de toute façon je peux pas faire demi-tour. Je viens d'y penser que maintenant, à moins que si j'arrive à monter sur le toit, mais. Oh bah si, j'y arrive, très bien. Bon, c'est dommage, c'est pas cette maison, il y a le nid d'oiseau. C'est dommage. Bon, on remonte. Je pense pas qu'elle y était, à la statue. Sinon, je l'aurais vu. Ah, d'accord. Oh, putain, joli. Joli. Ah, mais très bien. En plus, on y est, là. Non, il n'y a pas d'y avoir de statue. Ah, c'est dommage. Ah bah du coup, il va falloir que je trouve ailleurs, du coup. Putain, mais où est-ce qu'elle peut être, cette statue? Et où peut être ce nid d'oiseau, là? C'est tout ce qui me reste, hein. Une statue et un nid d'oiseau. Et après, il y a encore 2-3 bricoles à récupérer. Mais bon, c'est pas... Ça c'est, on y va de toute façon. Ah c'est pénible. Putain, si je savais où c'était, j'aurais pas besoin de chercher pendant 3 heures. Ça, c'est on doit aller, ça. Pff, ouais, sinon, je fouillerai plus tard. Ah, parce que là, je vois pas de statue... qui n'est pas allumé. Ça c'est une lanterne. Non, je ne vois rien. Ça mène où ça déjà? Je sais même plus. Ah ben ça mène au tombeau. De toute façon, il vaut mieux que ce soit un endroit en hauteur où je suis. Que je me mette comme ça, je peux surveiller les toitures, voir s'il n'y a pas des nids d'oiseaux aux alentours. Ah, le voilà! Il est là. Oh, comment elle s'est vautrée sur le bord. Voilà, ça c'est fait. Ça c'est fait. Maintenant, ce qui reste, c'est la statue. Et honnêtement, une statue est quand même plus facile à repérer qu'un oiseau. Donc on va dire qu'on a fait le plus dur pour cette région. Ah oui, c'est vrai, on peut pas monter là.
continue comme ça. Je voudrais bien monter. Marc, j'ai pas fait comme ça. Je l'avais pas fait ça. Bon, la statue, elle y est pas. Ça, c'est sûr. Elle y est pas. Bon, c'est pas grave. C'est qu'il va falloir essayer de trouver. Ben, il va falloir essayer de la repérer. De loin. Mais à mon avis, elle est même pas là. Elle est quasiment tout en bas, le truc. Ouf, comment c'est vautré. Ouais, non. Voilà. Il y a encore une géocache ici. J'en avais trouvé une il n'y a pas longtemps. Il y en a une autre. Ah bon, on dirait que oui. Ok. Bon. Bon, on va aller la chercher. Ah ouais, je peux pas sauter de là. Ok. Non. C'était pas la bonne touche. Voilà. Voilà. On a trouvé toutes les géocaches. Mais il nous manque toujours une statue. Ah, la voilà. Nickel. Et ben voilà. Et hop là. Alors, il nous reste quoi? Il nous reste deux documents apparemment, et c'est tout. Il y en a un là. Ça, c'est la direction où on va. Et il y a celui-là. Qui se trouve... assez haut. Ok. Super. Ça va être sympa pour aller récupérer. Ah, ça va être super sympa. En plus, par là, tu peux oublier. Donc là, ça va être un énorme détour. Comme je les aime. C'est nickel. Oui. Pourquoi il y a une musique? D'accord. Alors ce document, où est-ce qu'il est? En haut. En tout cas, il y a une boîte de provisions. Ah ben la voilà. En tant que prêtresse de la reine solaire, tous mes besoins sont pourvus. Je suis la favorite. On m'enseigne les langues, la bienséance, l'histoire, la guerre. Tout ce qu'une reine doit savoir. La reine se comporte comme une mère avec moi. Chaleureuse, attentive, aimante. Mais je sens que ce n'est pas naturel. Quand je parle aux autres prêtresses, je sens une inquiétude. Certaines ont la même impression que moi. Peut-être même toutes. Mais pourquoi? De quoi avons-nous si peur? Allez,
c'est parti pour l'escalade. On marque depuis là, je pense pas que ça va marcher. Là non plus. C'est pour ça il vaut mieux fouiller une fois qu'on a tout l'équipement du jeu. Comme ça tu fais tout d'un trait parce que là comme ça c'est bon pour rallonger le jeu mais. Non. Commence pas à faire n'importe quoi là. Moi je sais pas si ça marche dans ce sens. Hein. Non, c'est pas le bon. Ah évidemment, je peux pas l'attraper celui-là. Évidemment. Chose. Est-ce que j'ai accès là? Non, trop loin. Bon, ok. Là, ça va me faire un peu loin. Là, c'est bon. Pourquoi je laisse pas glisser là? Pourtant, c'est en pente, elle peut très bien. Ouais, elle a pas envie. Aujourd'hui, je suis Oshi, fille de Ihiro et de Kokoro. Demain, je serai Oshi, fille du soleil. La reine a parlé. Et on m'a remis la robe. Toutes les filles de l'île rêvent d'un tel honneur. Ma mère ne peut s'empêcher de pleurer. Et mon père rayonne de fierté. Je ne l'ai jamais vu sourire autant. Ce grand honneur permet à ma famille d'entrer dans la haute société du Yamatai. Nous ne manquerons plus jamais de rien. Et un jour, la reine solaire me choisira peut-être pour prendre sa place. Et pourtant, je ne peux pas nier ce que je ressens. J'avais d'abord mis ce malaise sur le compte de l'émotion, mais rien n'y fait. Je ne peux pas refuser cet honneur. Ce serait la ruine de ma famille. Mais la reine me fait peur. Voilà. Donc là, c'est bon, on a tout récupéré, marqué 100%. C'est impeccable. Donc maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est redescendre. Je vais essayer comme ça. Attraper cette corde et celle-là. Oh, le décor, comme il apparaît. Pouf! Allez, hop! On n'a rien vu. Ah, pas de voyage rapide, évidemment. Ça aurait été trop simple. Thank you.
truc que je voulais peut-être faire avant, mais je sais pas si on va le faire tout de suite ou pas. Ça aurait été d'explorer ce qu'on a déjà fait, histoire de finir les défis, tout ça. Je veux juste voir vite fait. On recommence depuis le début. Ouais, là, il manque une carte au trésor, 4 géocaches, un document et 5 totems. T'as vu les petits totems suspendus avec les crânes au milieu. Je préfère le faire maintenant, comme ça c'est fait, on est tranquille après. Là par contre je vais carte mise à jour, point d'intérêt révélé. Oh, tous ces lapins. Oh la vache. Ouais non mais ça je m'en moque ça à la rigueur mais... Ramasser les flèches. Je sais pas ce qu'elle attendait. Enfin bon. Ah c'est bien maintenant quand on a... Quand on a en vue un truc genre géocache, tout ce qui s'affiche sur la carte, et bien pouf, c'est enregistré dessus. Comme ça, même si on n'a pas la carte au trésor, et bien on sait où c'est. Ça a recommencé. Le soldat Kosuke, il était de garde la nuit dernière. Personne n'a rien entendu. Et ce matin, on a retrouvé que son casque. Aucune trace de combat, pas de sang, pas de balles, rien. Les autres parlent de partisans chinois, peut-être même de GI américains. Les imbéciles. Ils n'ont aucune idée de ce qui se passe ici. Ce sont les Oni qui nous traquent. Ces démons ont pris possession des ruines de cette île. Nous sommes des intrus. Ils nous surveillent, attendant le bon moment. Toutes ces épaves, ces ruines, toute cette île n'est qu'un cimetière. Ce n'est qu'une question de temps avant que Léonie nous attaque. Alors, il y avait le tombeau qu'on n'a pas pu compléter. Parce qu'il y avait un truc qui nous gênait, mais je pense pas qu'on ait ce qu'il faut. Je pense pas que le fusil à pompe va nous aider. À mon avis, je pense que ce sera autre chose. Oui, mais je peux pas y accéder là. Faut que je fasse un détour. Que ce soit un fichier. Ah oui, il y a une géocache, j'ai pas vu. Ah, totem. Allez, plus que 4. C'est bizarre, attends, il me semblait qu'on avait pété plus que ça, non? Oh, peut-être pas. Là, il doit y en avoir un autre, sûrement. C'est moi ou on dirait qu'il voulait me charger? Ouais. Je sais pas. Il y a une géocache, là. Apparemment. On va y aller.
pied de la cascade, ok. Ouais, de bien voir autre chose quand même ici. Après, c'est peut-être l'autre côté de la forêt, juste après le bunker. S'actualise. Là, il y a un truc avec un cordon, hein, mais à quoi ça sert, je me demande. On va aller voir. Oula, oh le bug. Vive les murs invisibles. Bah, il était pas là le truc avec le. Ah, voilà. À quoi ça sert? C'est pour suspendre une corde, mais d'où? Je vois rien. Là, y a rien. D'ailleurs, comment on y accède là? C'est pas très clair, d'accord. Vas-y, autre toit. Est-ce qu'on peut grimper par là? Oh. On dirait que oui, on peut grimper par ici. Alors, est-ce que ça met un marqueur sur la carte? Non. On dirait que non. À quoi il sert ce truc? C'est pour planter une corde, mais d'où? D'où est-ce que tu veux la planter, la corde? Parce qu'en plus, faut pas que ce soit trop loin. Hein. Parce que quand c'est trop loin, ça marche pas. Voilà, faut m'expliquer là. À moins que c'est pour la planter de là, mais j'ai pas vu de piquer. C'est bizarre. De toute façon, en plus, on le voit même pas là. Oh, c'est chelou là. Quelques trucs à trouver encore. Là, c'est un mystère là. C'est un vrai mystère pour moi. Là, je vois je vois pas quoi il sert. Là, j'avoue que je comprends pas trop là. Vas-y, tombe, je te dirai rien. Ok, bon, laisse tomber. Lâcher. Ça va, ça fait pas très haut quand même. Il
tout plus loin là parce que sinon là, je sais pas. Déjà est-ce t'as mais du mal à parler là. Déjà est-ce qu'il y a quelque chose à ramasser là déjà? On dirait que non. Enfin il y avait une relique mais on l'a déjà trouvée. Ça c'est pas à péter. J'aurais cru que c'était à faire péter aux pompes, mais non. Oh, super, il fait nuit là aussi. Y a rien. C'est quoi ça? Ah bah une caisse. On l'a pas vu. Putain, comment on a pu le louper ce cajou là? D'autres totems suspendus là. Non. Ah, il y a un truc qui a été révélé là. Mais quoi ? Que ça vient de là. Oh, c'est une caisse. Non, c'est pas ça. Il y a autre chose. Ah, ben la carte. Qui est justement, j'imagine, là-dessus. Eh oui. Alors, est-ce qu'il restait quelque chose là dans cette partie? Non. Après, peut-être qu'il reste un totem, je sais pas. Je sais pas. On verra bien. Mais j'espère que non, parce que là, honnêtement, après, je saurais pas où chercher. Parce que j'ai fouillé toute la forêt, donc... Là, je vais fouiller un peu mieux, là, mais... Bon, en tout cas, j'ai rien vu. Hein, dans la première partie de la forêt. Là après, là j'ai pas trop fouillé. Je vois pas trop à quoi ça sert de fouiller, de trouver ces géocaches. On dirait que ça sert à rien. Mais ça doit bien pouvoir servir quand même. À moins que ce soit toutes les géocaches de toutes les régions, en fait, quand tu les as toutes, en fait, ça te trouve un trésor, j'en sais rien. Quelque chose du genre, en tout cas. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que là, il n'y a rien. Ah, si seulement on pouvait les voir sur la carte aussi, les défis. Bon, ce serait trop facile, c'est sûr, mais bon. Là, franchement, si ça peut éviter de chercher pendant 3 heures, honnêtement... Il n'y a pas les loups qui m'attaquent là. Attends, c'en est pas un ça. Non, c'est pas un totem. Je vois rien en surbrillance suspendu aux arbres, donc
C'est qu'il n'y a rien. Alors. Il n'y a rien du tout. Et là. De toute façon, là, je crois que j'avais fouillé déjà. Donc. Ah ouais, là, par contre, ça m'arrange pas, là, en fait. Il y a deux totems, je sais pas où ils sont. Et hors de question que je rate sur la Solus. Après, bon, ce que, sinon ce que je le ferai hors line. Hors line, ça veut rien dire. Hors ligne. Offline, voilà. C'est un mélange entre hors ligne et offline, hors line. Voilà, j'ai inventé ce mot, faudra que je le fasse profiter. Comme ça, on pourra pas me le prendre. Non, mais je sais pas. Honnêtement, je sais pas. Je suis en train de chercher pour rien, j'ai l'impression. Peut-être sous le pont, là, mais... Non, je crois que j'avais déjà trouvé sous le pont. Non, mais ce qu'on va faire, on va continuer. Je ferai... En dehors du live, ce sera mieux. Parce que là, on est déjà presque à 2 heures de stream. Honnêtement, je vais pas passer la dernière heure à fouiller là, juste pour 2 totems à la con. Là. Ça non, je le ferai pas. Non, mais je fouillerai hors stream. Ce sera plus simple. Alors, voyons un peu ce qu'on a en amélioration. On va augmenter les dégâts du flingue. La cadence de tir. Moi, je peux pas améliorer pour le mode rafale. Bon. Sinon, qu'est-ce qu'il nous restait? Temple de montagne. Pyromane. Bon. Eh bon, on y va. Là, il nous reste pas grand-chose à récupérer, mais il reste encore quelques bricoles. Temple de montagne. Bah, temple de montagne, c'est pas pareil que village de montagne, d'accord. Là, c'est. Il va falloir faire demi-tour, là. Pyromane, c'est quoi? C'est tirer sur des lanternes, c'est ça? Bah, je crois que c'est ça. Ouais. C'est bien ça. C'est vrai que là, on pouvait pas explorer vu qu'on était pressé. Du coup, il y a sûrement des choses à récupérer. Rentrer. J'ai cru voir une lanterne, non. Malheureusement, il n'y en a pas.
lanterne là suspendue? Non. J'aimerais bien redescendre sans me viander. Voilà. Voilà. Défi terminé. Mais il reste encore. Eh ben rien du tout. C'est tout ce qu'il nous restait à faire. Eh ben on peut partir du coup. On peut s'en aller. Bon, il restera cette histoire avec les totems là. Et là, qu'est-ce qui manque? Ah, une géocache. Ok. Eh ben, on va aller la chercher. La trouver, mais bon, non, je croyais que j'ai cru que c'était ce que je croyais, mais non, apparemment c'est derrière. Ah, c'était là, ok. Donc là, j'imagine qu'on est à 100%. Ouais, on est à 100%. Ouais, mais je me demande à quoi elles servent ces géocaches quand même, parce qu'elles servent à rien en fait. Pardonner de l'XP, mais c'est tout. Extérieur de la base. Là, il nous manque une carte au trésor et une relique. Ok. Flèche grappin, voilà, c'est ça pour grimper sur les. Avec la corde. J'avais un doute, mais non, c'était bien ça. Hein, déjà, point d'intérêt révélé. Oh bah, ça aura pas traîné, hein. C'est juste à ma gauche. Ouais, enfin, non, y'a rien. Ah, d'accord, c'est dessous. Ok. Ah, je voulais juste redescendre d'un étage, mais. Si tu veux. Ah, c'est bon. Je vois. Ça va être la carte au trésor, ça. Parce qu'il me manque juste ça. Ah, on peut pas s'accrocher là. Bizarre. Mais sinon, il y a un autre moyen d'y accéder. Ah oui, on peut se laisser suspendre. Ah, ça nous facilite la vie ce truc. Moi c'est plus grand quoi. Bon, c'est un peu haut là quand même. Oh, oh putain, c'était bien. Eh, c'était bien la peine. On recommence. J'aurais dû continuer à avancer pendant qu'elle est en train de descendre. J'ai relâché le bouton de direction et voilà. Enfin le stick. Ah, elle a pas attrapé là. Qu'est-ce qu'elle me fait là? Voilà. Ça c'est les balles. Alors c'est où le bidule là? C'est là. Ok. Alors il reste plus qu'à récupérer la carte autre, la carte, la relique, et on sera bon.
Mais c'était dessous. Oh là là, putain. Eh, faut suivre un peu là. Je suis vraiment pas attentif. Hein. Seconde classe de l'armée impériale japonaise. Oh, un kanji gravé à moitié effacé. Peut-être un nom ? Ok, bah, je pense qu'on est bon là, on est à 100%. Ouais, allez. Descendez de la montagne pour rejoindre la base de Solari. Ouais, moi je veux bien, mais... On passe par où? Ça, il pourrait le dire. Allez, hop, un petit voyage rapide. Bon, ça va être au village de montagne, de toute façon. C'est le gros carrefour du jeu, ça. Voilà, en plus on a le marqueur d'objectif là, c'est là-bas. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, c'est là-bas. Je croyais que j'avais fait ce que j'allais faire, mais non, en fait, je l'avais pas fait. Enfin, bref. Je chercherai les totems en ligne. Ce sera plus simple. Et sinon, on est bon. Je ne peux rien prendre. Ouais. D'accord. Je crois qu'elle a oublié qu'il fallait s'arrêter. Je crois qu'elle avait oublié. Ouais. Elle avait clairement oublié. Putain, c'était épique. J'aurais pu les tuer comme ça, ça aurait été plus rapide, mais ça aurait été moins drôle. Je préfère les tuer moi-même. Utiliser les munitions, c'est très bien. Tu peux voir le... Ouais, encore, je trouve que ça les a pas assez utilisés. Non, d'abord je veux fouiller les cadavres. Après, qui c'est qui reste? Ces trois là. Voilà. Ça c'est pareil, c'est pour tuer les ennemis.
contourner. Je dois traverser. Oh, quelque chose me dit que ça va mal se passer. Je sais pas pourquoi. À côté, j'étais passé à côté, mais bon, c'est pas grave. Sans déconner, elle peut pas faire du camping comme tout le monde. Mais non, faut qu'elle aille dans une île avec des samouraïs morts-vivants. Enfin, je sais pas si c'est des morts-vivants, j'en sais rien. Non, non, il faut que... Elle peut pas aller au Central Park le plus proche, mais non. Ah non, Center Park, pardon. Central Park, c'est... c'est à New York. Pas se trouver un Center Park, ça. Non, non. Il y a peut-être des provisions à bord. On est quasiment à fond encore en armes. C'est pas du tout dangereux pour s'appeler, hein. De baigner dans de l'eau contaminée, tout ça. Elle risque pas de faire une septicémie ou quoi que ce soit. Tu mens. Je sais que tu t'es enfui avec lui. Je connais quelque chose qui fera parler. Dis-le-moi. Dis-moi.
Encore ? Toujours aucun signe du lieu ? Non. C'est costaud, mais ça n'ira pas loin. Les autres, ça ne va pas. On les a enfermés dans les grottes. Je comprends pas. Pourquoi ma chasse tient tant à les garder en vie ? Qu'est-ce qu'il y a ? Je croyais que j'allais toucher, mais non. Ah, ça c'est con. C'est pas la peine de grimper, c'est pas la peine. On peut pas. Ça, il va falloir le tirer. Je pense que ça ouvrira la soute. Où ça va faire mal. Flèche incendiaire. Ross, tu m'entends? Ross? Lara, tu vas bien? Je vais bien. J'ai pas l'impression que j'ai... Je vais bien, Ross. Où es-tu, Lara? Je suis dans une espèce de bidonville, près du palais fortifié. Je suis toujours sur la colline. Comment tu as fait pour descendre aussi vite? C'est une longue histoire. Oui, je vois le bidonville d'ici. Tu es près du grand portail ? Je me dirige vers lui. C'est la fille ! Oh, merde ! Là ! Tirez, tirez ! Tiens !
ça c'est réglé. Donc ça se pointe. Comme il a dégagé en quatrième vitesse. Le fusil l'emporte sur le couteau. Ok. On a un petit point de compétence à débloquer. Non, pas ici. Pas ici non plus. Peut-être ça à la rigueur. Équipement. On va mettre le mode rafale pour le pistolet. Voilà, il n'y aura plus qu'à maintenir R1 pour tirer 3 balles en même temps. Ah, du coup, on va pouvoir fouiller. Parce que là, il doit y en avoir des trucs à fouiller là. C'est quoi? Ah, des flèches. Ça c'est d'où je viens, ça, non? Ah, remarque. Bah non. Attends, de toute façon ça menait nulle part. Caisse hein, quand même. Hein. Là ou pas? Silence et repos forcé. Je vois pas ce que ça pourrait être. C'est un mystère. Dans le Japon de l'ère Edo, les tenues des hommes n'avaient pas de poche. Les inro étaient utilisés pour ranger les effets personnels. Les ancêtres de nos portefeuilles. Bon là, il n'y a rien à vérifier.
faut que je monte, mais comment? Ah bah comme ça. Tout simplement. Mathias nous a demandé de sélectionner des hommes assez forts pour servir la confrérie, mais pas trop malins. Ils devront obéir aux ordres et travailler. Ceux qui résisteront seront tués. Quant aux femmes, Mathias décide de leur sort. La plupart sont sacrifiées, mais certaines sont choisies pour le rituel. Nous supportons ces cérémonies insensées. Certains frères commencent même à y croire. Il est clair que quelque chose contrôle les tempêtes autour de cette île maudite pour nous empêcher de partir. Le père Mathias prétend qu'il parle à l'esprit de la reine solaire. Je ne sais pas quoi penser. Alors je me contente de faire ce qu'il faut pour survivre. Est-ce qu'il y a autre chose à faire ici? Hein, peut-être en montant là. Ok. C'est un tombeau qu'il y a là? Je vois qu'il y a des motifs. Ah oui, effectivement. Attends que je revienne, tu vas voir. Appuie sur rond pour mettre pour ramper ou mettre à couvert. Merci didacticiel, merci. C'est vrai que là ça va beaucoup m'aider là. Abusé. Ah, là ils sont tous morts. Oh, les pauvres. C'est vrai que j'aurais pu commencer par ça. Bon. Encore un sacrifice. Oh mon Dieu. Qu'est-ce qui les pousse à faire ça? Ah oui, donc l'autre fusil, ouais, le fusil c'était fusil d'assaut. Ok. Oh la tête. Bah, c'est bien un. Pas l'entrée du tombeau. Je croyais que ça faisait plus haut que ça, mais en fait non. Pas du tout. On a 4 pièces sur 3. On a une pièce en trop, faut la jeter. Statue de la reine solaire.
crois que j'ai gagné en amélioration avec juste ça, le manchon du canon. Ouais. Allez, améliorons-le, voilà, comme ça il est complètement amélioré pour l'instant. Là c'est le fusil à pompe maintenant. Mais on n'a pas assez de matériaux de toute façon, donc on oublie. Donc là il y a des trucs à lancer, j'imagine qu'ils feront poids. Il va sûrement falloir le lancer sur la plateforme. Pourquoi faire? J'en sais rien. C'est juste. C'est curieux. Solar profane ces ruines anciennes pour en faire un lieu de culte. De la dynastie Yuan. Peut-être un vestige de la flotte de Kubilai Khan. Ah non, c'est un faux. Made in China. Alors qu'est-ce qu'il y a à récupérer là? Une géocache et une relique. Par là. La géocache c'est bon. Il reste plus qu'à la relique. Hein. Mais il va falloir monter d'abord. Par où je monte? Par là? Jade de la dynastie Ming,
Celle-ci a l'air authentique. Alors maintenant... Il y en a qui ont été zappés là. Ah non, mais ça c'est par où je dois aller. Ah oui, d'accord. Donc ça va. Eh oui, l'hélico il est comme ça, il est par là. Donc ouais. C'est là-bas qu'il faut aller. Qu'est-ce que ça peut être ces défis-là, silence radio et repos forcé? Je me demande. Combien à trouver? 5? Bon, plus que 4. Marque près de l'hélico, non, je crois qu'il n'y avait rien. Il n'y avait rien du tout. Faut que je fasse attention si je trouve une effigie blanche. Ça doit être une idole de la reine solaire. Il faut que je la crame et après que je l'arrache. Enfin que je la décroche. Ça c'est les trucs d'alarme militaire ça. Ah bah silence radio, ouais. Ça doit être ça. Enfin silence tout court. Enfin, c'était pas silence radio, c'était silence tout court. Ouais, il y en a encore 3 à trouver. Que je trouve autre chose ici. Ah, pourtant il y a une relique derrière. Apparemment. Dessous peut-être.
sont généralement en bois laqué, mais celui-ci est en laiton. Il date probablement du 19e siècle. L'intérieur de cette INRO sent le tabac. Il servait peut-être des tuyaux à cigarettes. Alors, le prochain trésor... Il est là. Ça m'étonne que je l'ai pas trouvé, celui-là. Centaines. Nous avons commencé à déblayer le vieux palais et bientôt, nous commencerons à bâtir une ville au pied de la montagne. Les Japonais avaient construit un système de nacelles de transport que nous avons remis en service. Mathias prétend que nous travaillons pour la Reine Solaire, comme ceux qui ont bâti les monuments de l'Égypte ancienne. Mais je connais ses intentions. Mathias gagne du temps. Ce projet monumental ne sert qu'à nous tenir occupés. Malgré les rituels, les tempêtes et la peur d'être exécutés, les hommes finiront par se retourner contre lui. Et quand ils seront prêts à le faire, je serai prêt à prendre sa place. Ça, je le voyais pas sur la carte. Alors, si ça se trouve, il y a peut-être d'autres choses à trouver. À moins que... Ah, mais non, si, en fait, il était affiché sur la carte. C'est vraiment un sacré bordel. Tu parles d'une retraite tranquille. Si jamais je retrouve Ross sur cette foutue île, d'abord je lui collerai mon poing dans la gueule pour nous avoir amenés ici. Ensuite, à nous deux, on éliminera tous ces cinglés jusqu'au dernier. Comme au bon vieux temps. Et sans ce bon vieux Dicky Croft. S'il était en vie, je suis sûr qu'il voudrait étudier ces fanatiques. Tous ces illuminés, je parie qu'il les trouverait... fascinants. J'espère que sa fille a plus de jugeote et qu'elle a réussi à se cacher. Ces salopards sont dangereux. Je suis inquiet pour tous ces gamins. Alex, Sam, cette île va les bouffer tout cru. Il faudrait que je puisse rejoindre une toiture assez haut. Que je puisse mettre assez haut quand même. Pour surveiller s'il n'y a pas d'autres alarmes à trouver. Voilà, non, je peux pas. Je pourrais pas grimper là. Bon, mais ici c'est pas tout. C'est déjà pas mal là. Est-ce qu'il y a quelque chose là-bas? Là, il y a une caisse de provisions. Après des alarmes, j'en vois pas tellement. Pourquoi c'est pas rien là? Géocache. Faut pas grimper là. Une effigie là-bas. Ah, mais il y en a une là aussi.
ça a pas marché. Non. Voilà, encore deux. J'en vois pas d'autres. Il y a pas d'autres alarmes non plus. C'est vrai que non, bon c'est sûrement plus loin alors. Déjà ? S'arrêter. Voilà, on va s'arrêter là. Ça, je commence à fatiguer. Voilà, on va s'arrêter là pour ce soir. Donc la suite sera samedi prochain, toujours à la même heure, et demain on continuera Immortals Phoenix Rising. En attendant, je vous fais des gros bisous, merci d'avoir suivi, puis à demain, ou à la semaine prochaine, ou à bientôt. Allez, à plus.